Bonsoir ou bonjour, chers internautes, tout dépend de l'endroit de la planète où vous nous suivez. Merci d'être avec nous. Vous êtes la troisième édition du Prochain Tag. Aujourd'hui, nous recevons également Abdou Founa, plus connu sous le nom de Hypercut. Hypercut, jeune artiste ivoirien, rappeur qui a commencé sa carrière en 2005. En 2011, il est finaliste de l'une des plus grandes émissions du rap ivoirien. Aujourd'hui, nous recevons pour vous, pour ceux qui ne le connaissent pas, Hypercut, c'est ça. À travers son dernier clip, 227 feuilles. Ces fils de lâche qui sont pas prêts. Nana 225 BABI. J'rappe avec un treillis. Depuis le ventre de ma mère, appelle-moi l'enfant terrible. MC t'es qu'un VI. J'te prends un début KI. J'plane comme un faucon. Les poussins paniquent quand j'atterris. J'blesse dans le tas, j'nique le game. C'est un AK que je dégaine. Mec ton peura n'en vaut pas la peine. En vrai t'es nulle part, tu manques à l'appel. Ils sont tous épatés. J'les réduis en pâté. Bitch, je suis dressé. Un, deux, trois, feu écarté. Habite sur le parquet. Ton cerveau est craqué. La gloire, je vais la craquer. Et ensuite la braquer. Le virus du rap m'a piqué. Mes démons veulent pas me quitter. Jour et nuit, je ne fais que kicker. T'as vu Hypercut et t'as cliqué. T'es MC, mais tu danses comme Ziké. Même à 10%, je les baisse pour être numéro 1. Man, j'ai pas besoin de ma BC. 225 BABI, j'porte le drapeau de mon pays. 225 BABI, y'a rien à dire, on est béni. 225 BABI, j'porte le drapeau de mon pays. 225 BABI, y'a rien à dire, on est béni. 225 BABI. 25 BABI, 225 BABI, 25 BABI, 225 BABI, 25 BABI, 225 BABI, j'porte le drapeau de mon pays. Mais attends, vous n'avez rien compris? Alors, il est là avec nous sur le plateau, en chair en os, Hypercut. Alors, bonsoir Hypercut. Bonjour. Ça va? Et chez vous? Ok, alors dans un premier temps, on va vous demander de vous présenter pour toutes les personnes qui ne vous connaissent pas. Bon, c'est Hypercut, rappeur ivoirien, depuis 2005, ancien membre du groupe Outsider, qui a été finaliste, comme vous l'avez dit, du concours Fireflow. Puis voilà, en ce moment, on prépare un projet qui sort en septembre. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. Alors Hypercut, c'est qui avec l'État CD? C'est Gano Abdoul Founa. Hypercut. Alors, pour commencer cette émission, on va commencer par s'intéresser à Gano Abdoul Founa. Ok. Alors, est-ce que Gano Abdoul Founa peut nous parler un peu de son enfance? Mon enfance? Où il a grandi, ses parents, quelle était l'atmosphère? Bon, déjà, je viens de j'habite à Abidjan. Précisément, à propos de père 2, donc c'est là que j'ai grandi. Voilà, c'est là que j'ai grandi, c'est là d'ailleurs même que j'ai appris à connaître le rap, la musique et tout ça, grâce à mes amis. Donc voilà, j'ai grandi là, une enfance normale, comme toute enfant. J'aimais jouer au foot, voilà, j'aimais faire du vélo quand j'étais tout petit. Puis voilà, pas trop perturbé, mais très turbulent. Okay. J'étais très turbulent. Alors, toutes les personnes de Cocosy les Perles peuvent être très fiers. Je vais vous présenter ici depuis Bangalore un rappeur connu, une des stars montantes du rap ivoirien.
Alors, hypercute. On sera amené à se demander maintenant, après votre enfance, est-ce que Ganad Boufouna peut me parler un peu de ses études? Mes études. Bon, j'ai eu un parcours normal au collège. Après le lycée, j'ai fait le bac une première fois, ça n'a pas marché. J'ai fait ça deux fois d'ailleurs, ça n'a pas marché. Mais comme je suis quelqu'un, je lâche rien. J'ai fait une troisième fois en candidat libre, ça a marché. Et là, je suis venu ici, j'ai commencé à prendre des cours. J'ai fait une série scientifique. J'ai fait une terminale D, une seconde C, puis voilà. Et lorsque j'ai eu le bac, je suis venu ici dans l'optique de prendre des cours en son, tu vois. Mais quand je suis arrivé, je n'avais pas trouvé d'école, donc je me suis mis en animation, 3D, tout ça, 2D. J'ai fait 2 ans, j'ai pas aimé, j'ai pas senti. J'ai tout lâché, je suis allé prendre des cours de son. Parce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Ok, donc là quand vous arrivez, vous ne trouvez pas d'école pour les cours de son. Voilà. Mais vous ne voulez toujours pas de tout ce qui est artistique parce que vous êtes bloqué. Non, l'animation c'est artistique. Mais après, il y a beaucoup. Pour ceux qui ont fait, ils savent qu'il y a beaucoup de dessins, on dessine beaucoup, tout ça. Moi je suis nul en dessin, tu vois. Moi c'est la musique, c'est le son, c'est tout ce qui a rapport avec le son. Bon, l'animation c'était un diplôme, un bachelor, tu vois. Exactement. Donc à la base, je cherchais un bachelor. Et vu qu'en son, il n'y avait pas de bachelor, voilà pourquoi je me suis dit, bon, voilà, pourquoi pas faire l'animation et après faire un diplôme de culture en son. Et lorsque j'ai fait 2 ans, je me suis dit, non, c'est pas ma place, quoi. Ouais. C'est pas ma place. C'est-à-dire que vous ma place est là-bas dans un studio. Et là, comme vous dites, quand vous arrivez, dans un premier temps, vous ne trouvez pas d'école de son. Mais là, vous dites que vous suivez un cours de son. Alors, quand vous arrivez à trouver un cours... Parce que vous arrivez dans un premier temps, vous ne trouvez pas des cours de son. Comme je l'ai dit, j'ai trouvé, mais ce n'était pas un bachelor, c'était un diplôme de courte durée. Okay. Donc finalement, je me suis dit, bon, peu importe quoi, que ce soit bachelor, que ce soit courte durée, du moment que c'est un truc de son, que le syllabus... Si la bus est bon, pourquoi pas. Ok. Donc là, comme vous le dites, maintenant on va passer hypercute. On laisse Ganad Boufouna, on revient à l'artiste. Alors, comme il le disait, il prend des cours de son ici, mais hypercute. On sait que votre carrière a commencé en 2005. Donc ce n'est pas avec Ganad que ça a commencé. Alors, ce qu'on pourrait se demander, c'est comment on passe des études au rap. Parce que vous l'avez dit, vous êtes allé jusqu'au bac. Ça montre que vous n'étiez pas un élève médiocre. Vous êtes allé jusqu'au bout de vos études. Alors, comment en étant bon à l'école, on fait du rap en même temps? Comment on concilie ces deux choses et comment on passe de l'école au rap? Ça veut dire que quand on est bon à l'école, on ne peut pas faire du rap. Des préjugés que les gens ont, j'espère que vous avez les démentir. Déjà, pour écrire une chanson, il faut être bon. Pour écrire une chanson, pour faire. Parce que lorsqu'on écrit, on n'écrit pas comme ça, on fait des figures de style, comme on a appris à l'école en français. On fait des métaphores, on fait des figures de style et tout ça, tu vois. Faut avoir quand même une connaissance en la chose, tu vois. Faut être assez cultivé pour faire du bon rap. On a vu des rappeurs comme Youssoupha qu'on a maîtrisé, si je ne me trompe pas, tu vois. Mais le truc, c'est que moi, pendant que j'allais à l'école, j'ai commencé en 2005. Donc j'ai fait le collège, le lycée, tout ça. Donc je faisais les deux en même temps. Mais à la base, c'était pas une optique d'en faire une carrière, franchement. On a fait le truc, on s'amusait, on était jeunes, on était petits, on aimait, tu vois, on faisait le truc. Mais après, à un certain moment, il y a des gens qui te parlent, qui te disent, ouais, mais tu es bon, tu vois, pourquoi pas. Et puis, il y a la passion aussi qui augmente, qui s'agrandit au fur et à mesure, tu développes ce truc-là, tu as envie de continuer. Je ne sais pas comment expliquer. On aime la chose. Ça se ressent, voilà, tu te dis, bon, je peux pas. Il y a eu des moments où je me suis dit, bon, j'arrête. Franchement, je me suis dit, bon, j'arrête. Je me concentre sur autre chose. J'arrête de rapper. Mais après un mois, deux mois, moi-même, je ne suis pas en train d'écouter un beat, en train d'écrire, en train d'aller au studio. Tu vois, donc c'est pour te dire que voilà, on a essayé de faire avec l'école pour avoir le bac. Moi, franchement, mon objectif, c'est d'avoir le bac. Tu vois. Mais après, comme je l'ai dit, je prends des cours de son. Ça veut dire qu'il y a l'envie de la connaissance. Tu vois. Et quand je vais finir ces cours-là, j'aurai un diplôme universitaire. Tu vois.
j'ai un diplôme. C'est pour te dire que voilà, avec ça, je peux avoir du travail dans n'importe quel milieu, là, tout ça. Ok. Si je veux. Ah, ouais, intellectuel, très intellectuel. Pourquoi pas? À la Youssoufa. À la culte. C'est bien dit. Alors, on s'en va maintenant à se demander, on sait que le rap n'est pas toujours bien vu dans nos pays, surtout dans nos pays africains. Quand on annonce à nos parents qu'on veut faire du rap, il y a une certaine réticence, on a un peu l'impression que c'est parce que l'enfant ne veut pas aller à l'école, c'est parce qu'il veut juste s'amuser, comme vous disiez au début, c'était juste de l'amusement. Alors, quand vous annoncez à vos parents que vous voulez faire du rap, votre carrière, votre métier, quelle est la réaction? Je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais osé dire je fais du rap ma carrière. Jamais, tu peux pas. Comment tu as dit à tes parents, je fais. Tu vois, ils payent tes études et tout ça. On est parti à l'école. Le bac, tout ça, c'est bon. C'est bien, c'est vraiment bien. Après, ça fait plaisir aux parents aussi, tu vois. Donc, on peut pas arrêter l'école. La cour, je prends toujours des cours, malgré que je rappe et tout ça, je prends des cours, oui. Parce que tu peux pas stopper comme ça sans avoir certains diplômes au moins, tu vois. Toi, personnellement, tu te sens en sécurité. Tu te sens en sécurité. Donc, les parents, ils ont pris ça tout doucement au début. Franchement, c'est pas évident. Ils ne considèrent pas, déjà. Ils ne vont pas considérer, non, c'est des bêtises, c'est n'importe quoi, c'est de l'amusement. Mais quand toi, l'enfant, au fur et à mesure que les années passent, tu continues, tu arrives à faire des projets de toi-même, finalement, mais c'est clair qu'ils vont te prendre en considération. Ils vont se dire, ouais, mais s'il fait ça, il continue de faire ça jusqu'à présent, c'est qu'il aime. S'il arrive à accomplir certaines choses de lui-même avec ça, c'est qu'il sait vraiment ce qu'il a envie de faire. Ils vont respecter. Alors donc, là maintenant, pour que les personnes qui nous suivent comprennent bien, tes parents d'hypercute savent qu'il est rappeur ou ils ne le savent pas? Ils savent. Ils savent que vous êtes. Que je fais du rap. Mais vous ne vous êtes jamais mis en face de vos parents. La pose, même quand j'ai fait des vidéos, me permet de montrer mes vidéos à mes parents. Ah voilà ma dernière vidéo, vas-y, regarde. Avant que ça sorte, regarde, ça fait plaisir aux parents. Ok. Et les amis? L'entourage, les amis? Les amis soutiennent. Toujours? Les amis soutiennent toujours. Jamais des personnes, des mauvaises langues, tu vas pas y arriver, ça, tu n'es pas assez talentueux. Mais ça se dit pas devant toi, ça se dit derrière. Jamais en face. Comme toute chose. Même toi-même, tu as forcément des amis qui te disent, ouais, ce que tu fais, c'est bien, mais derrière, qu'est-ce qu'ils disent? Donc l'important, c'est pas d'écouter ce que eux disent, mon frère. Pas en son rêve. Persévérer, travailler, s'accrocher. T'as tout dit. Alors, comme Hypercute l'a dit, le rap, c'est un amour qu'il a essayé d'arrêter, il n'y est pas arrivé, il y est resté, et à force de persévérer, aujourd'hui, Hypercute est une star montante du rap ivoirien. Alors Hypercute, on sera maintenant à se demander maintenant, qui t'a influencé dans le rap? Qui? Influencé? Influencé au terme d'un idole, une personne qu'on voit rapper, à qui on a envie de ressembler. Une personne, comme tu disais, tu arrêtes le rap, deux mois après, tu écoutes un beat et tu es reparti. Quel rappeur t'inspire par ses textes, par ses beats, par sa musique? Bon, le rappeur qui m'inspire. Bon, déjà, le rappeur avec qui j'ai découvert le rap, c'était Eminem. Ça, il faut que je le dise. C'est le rappeur avec qui j'ai découvert le rap. J'ai appris à aimer le rap, à comprendre le rap. C'était à quel âge? C'était Eminem. Je sais plus, mais en tout cas c'était à l'époque où il avait fait 8 Mile, Lose Yourself, Never Think for the Moment. Ouais, je crois que c'était à cette époque-là parce que j'écoutais beaucoup. J'écoutais beaucoup. Après il y a eu le rap français, l'époque des Cynic, Oxmo, Booba avec Tomor. Oui. Et au niveau de la Côte d'Ivoire? Côte d'Ivoire, un rappeur ivoirien aussi. Je pose la question parce que Hypercute a fait une émission à Cocody FM, si oui. Je ne me trompe pas. Oui. J'ai eu à regarder le freestyle et mes parents entendaient, il n'y a personne sur la scène ivoirienne qui vous... Dans le freestyle, il n'y a personne sur la scène ivoirienne. Qui vous, je veux dire, qui vous challenge en fait, une personne qui... Non, c'est de... En fait, il ne faut pas le prendre comme ça, c'est de l'ego trip, tu vois. En tant que rappeur, on est beaucoup dans l'optique de la concurrence. On est comme des boxeurs, si tu veux. Avant le match de boxe, les boxeurs ne vont pas venir se embrasser, se dire non,
c'est je suis le meilleur, tu vois, tu ne crois pas. Après moi, il n'y a rien, tu vois. C'est ça, en fait. Mais après, quand tu regardes, tu reconnais, tu respectes le travail des autres. Mais après, dans la musique, c'est autre chose. C'est un autre visage. Donc, j'actualise un peu la question, parce que là, j'avais posé la question de savoir qui vous avez influencé au début. Influencé. Là, maintenant. Minem, si tu veux. Oui. Au niveau de la scène, il voit une belle musique avec personne. Au niveau de la scène, pas influencé, mais que je respecte. Oui. Il y a Nuka. Si peut-être des gens ne le connaissent pas, Nuka, ancien membre du Mont Joué. Très jouable, très bon, que je respecte. Après, c'est tout, quoi, franchement. En ce moment aussi. Et il y a mes gars avec qui j'ai commencé à rapper. Ok. Voilà, il y a 9 milliards avec qui j'ai fait un son qui est sorti vendredi, qui est très bon aussi. Le son qui s'appelle Père 2. Ok. Voilà. Vous avez juste à taper Père 2 sur YouTube et vous pouvez découvrir ce son. Alors. Non, mais n'aime pas se demander. On a touché tellement de points, sans même s'en rendre compte, que je me perds dans mes notes un peu. Alors, c'est quoi pour vous la musique? Parce que vous avez dit que vous aimez tellement la musique. C'est quoi pour vous la musique? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Un moyen d'expression. Un moyen d'expression. Parce qu'aujourd'hui, grâce à la musique, on arrive à dire des choses qu'on ne saurait pas dire, tu vois. Déjà, ça dépend du genre de musique. Par exemple, les reggae-man, j'arrive à exprimer certaines choses. On arrive à faire passer certains messages d'une différente manière. Tu vois. Ça passe plus facilement. Et déjà, celui qui en fait, moi personnellement, la musique, ça permet de m'exprimer. Quand j'ai un mécontentement, quand je suis en colère, quand je suis triste, ça se ressent directement dans ma musique. En fonction de la période à laquelle j'écris, on ressent clairement. Ceux qui sont autour de moi peuvent savoir clairement à quelle période j'écris telle ou telle chanson, ou que j'ai fait tel ou tel projet. Voilà, la musique, c'est un truc d'actualité. On n'invente pas. Lorsque tu écris, par exemple, moi, quand j'écris, je n'invente pas, tu vois. Je dis ce qui me passe par la tête, ce que je ressens dans l'immédiat, tu vois. Alors, êtes-vous un artiste engagé? Prenez vos positions sur certaines choses. Moi? Non, je ne dirais pas que je suis un artiste engagé. C'est juste votre ressenti que vous exprimez. Voilà, c'est des trucs que tout le monde peut ressortir, mais après, ce qui rend le truc, ce qui rend la musique, ce qui rend ça beau, tu vois, c'est la manière dont on le dit, le style qu'on utilise dans l'écriture. Parce que moi, je suis un passionné d'écriture. J'ai toujours aimé la littérature et bon, c'est un peu une raison, la raison pour laquelle aussi je fais du rap, parce que le rap, c'est aussi basé sur l'écriture, tu vois. Donc la manière dont on le dit, c'est tout ça qui fait la beauté de cette musique. Alors, on voit vos vidéos, on voit que vous êtes plutôt connu, sur la scène ivoirienne. En plus de toutes ces choses qu'on voit, à votre niveau personnel, qu'est-ce que la musique vous a apporté? À votre niveau personnel, oui. Mis à part. Mis à part les sorties, les prestations, là, c'est personnel, l'expérience de vie, les contacts. Parce que tu connais beaucoup de personnes, tu rencontres beaucoup de personnes que tu n'aurais pas rencontré si tu ne faisais pas de musique, que tu restais chez toi, après comme tout le monde. Tu rencontres beaucoup de gens, tu apprends beaucoup aussi de l'être humain. Tu apprends beaucoup aussi de l'être humain parce que plus tu bouges, plus tu rencontres des gens, plus tu apprends. Donc je peux dire ça quoi. Ok. Alors, comment se porte votre carrière en ce moment? Plutôt bien. Qu'est-ce qu'il y a pu réaliser comme mixtape, comme single? Bon, on a fait. Bon, avant que je passe actuellement, je suis signé sur Perestroika. Avant que je commence à travailler avec ce label-là, je bossais avec des amis, Tapping Music. Je bossais avec eux, on a fait sortir J'entends sa voix, le mixtape solo. Avant ça, il y a eu la mixtape de Outsider, mon ancien groupe, qui était Vite en Kiff. Mais c'est des mixtapes à téléchargement gratuit. Donc voilà. Et puis à cette époque-là, Outsider, on faisait des radios. On faisait des prestations. On a même eu à faire la première partie du concert de la Fringue. Et voilà. Alors pourquoi avoir quitté Outsider? Non. Bon, en fait, Outsider, je n'ai pas quitté. C'est la force des choses. Vu que moi, j'ai été amené à venir en Inde pour les études,
Et l'autre membre, qui est 9-2, qui était, après moi, j'ai suivi, je suis venu en Inde, et l'autre allait au Ghana. Donc, dans ces conditions-là, c'est vraiment difficile de collaborer, de travailler, de prévoir des projets, tu vois. Mais pourtant, moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup le rap, tu vois. Je ne pouvais pas arrêter. Donc, j'ai ressenti ce besoin-là de continuer tout seul. Donc, c'est par rapport aux choses, en fait. Voilà, mais pour vous dire qu'il n'y a rien entre. Il n'y a pas eu d'histoire et on continue de collaborer. 9-2, 9 minutes, il est sûr, mon projet qui arrive en septembre, il a un son et puis il a un autre track aussi dans le son. Alors si vous me prenez en cours, vous êtes dans la troisième édition de Question Tag. Nous sommes avec Gano Abdou Fona, plus connu sous le nom de Hypercut, et nous continuons notre émission. Alors Hypercut, beaucoup de points à aborder jusqu'à maintenant. Avant de venir à se demander, vous avez dit que le groupe Outsiders était séparé. Par la force des choses, vous venant en Inde, un autre membre allant au Ghana. Alors, pour tous les fans d'Outsider qui pourraient regarder cette vidéo, si vous vous retrouvez à Abidjan, ce groupe pourrait-il être constitué? Est-ce qu'on peut espérer un son encore d'Outsider? Un son d'Outsider, c'est fan. Mais comme je l'ai dit, j'ai eu à faire un son avec 9 Milli qui est sorti vendredi. Donc, déjà, j'ai eu des retours, comme tu l'as dit, des fans d'Outsider qui m'ont envoyé des messages pour me dire que voilà. Ça fait plaisir de nous revoir nous deux sur un morceau, tout ça. Mais voilà, mais se retrouver à trois, ça ne sera plus possible parce que le troisième, il a arrêté le rap, il a arrêté la musique. Donc ça sera Outsider, il percute 9 Milli. Peut-être, on verra. Franchement, pour l'instant, c'est pas dans les projets. On pourra faire des sons ensemble. Par exemple, si moi je fais un projet, c'est normal, je l'invite, il a un morceau, même deux. Si j'ai aussi fait un projet, une vie, j'ai un morceau ou deux. Mais pour dire Outsider, un album, ou une mixtape, ou une, je sais pas. Franchement, en ce moment, c'est pas dans le projet. C'est pas dans le projet. Ok. Alors là, on a encore parlé de featuring, mais avec un ancien membre du groupe Outsider. Alors, quels sont les artistes, si on pourrait dire, avec qui vous aimeriez bien faire des featuring à l'avenir? Si tu vas se présenter. À l'avenir, oui. Si aujourd'hui on disait à Hypercut, quel artiste, avec quel artiste est-ce que vous êtes chanteur? International, pas forcément ivoirien. International, tous, par exemple. Par rapport à tous ceux qui on ne sait pas. Eminem, peut-être, parce qu'il a influencé la délite. Ok. Eminem, si j'ai mon fils avec Eminem, c'est bon. Ou Alicia Keys. Alicia Keys, j'aime bien la musique. J'aime bien. J'aime bien ce que tu fais. Moi, je ne veux pas que du rap. Hein. Il y a des gens qui vont se dire peut-être les rappeurs, que le son hip-hop, très hip-hop. Non, moi personnellement j'écoute beaucoup la musique, j'écoute beaucoup la soul, j'aime beaucoup le reggae. Même le dernier album de Tikenja, je le passe en boucle ce matin. Ok. Voilà. Soul, rap, reggae. Soul, hip-hop, tout ce qui est musique, tout ce qui est bien quoi, mais j'aime pas tout ce qui est rock, techno, house, ça me dit rien. Reggae, rap, R&B, soul. C'est bon. C'est bon. Ok. Alors, quels sont les projets à court terme d'Hypercut? Donc, à court terme, déjà, il y a le mini-album qui sort le 11 septembre. Ça sera disponible sur iTunes. Donc, pour tous ceux qui ont accès au paiement en ligne, pourront se procurer le mini-album sur iTunes, sur Bandcamp. Puis voilà. C'est ce qui va se passer. Et avant ça, on va envoyer un autre extrait, qui sera le troisième extrait. Ça, c'est une information exclue que je donne à votre émission. Exclusivité. Voilà, donc on enverra un troisième extrait juste avant la sortie du projet, mais je ne peux pas en dire plus, quoi, n'est-ce pas? Ok, alors quels ont été les deux premiers extraits? Il y a eu 225 et il y a eu Perle 2 qui est sorti vendredi. Les ont plus? Ce vendredi. Ouais, avant-hier. Ok. Et c'est le premier album d'Hypercut. Ouais, c'est pas un album, on appelle ça un EP. Techniquement, c'est un EP. C'est-à-dire que c'est un mini-album, pour faire plus simple. C'est comme un avant-goût, tu vois. Lorsque tu prépares un album, pour ne pas trop faire attendre les fans, tu balances un projet du genre, soit une mixtape, si tu veux, ou tu balances un EP. De 5-6 titres pour que les gens puissent attendre un peu l'album qui arrive. Alors donc ce EP qui arrive, c'est combien de titres?
Ça sera EP de... C'est 6 titres. 6 titres, une intro, une outro et 2 interludes. Alors, c'est encore une information exclusive. Parce qu'on n'a jamais parlé de cette info là. Alors, une outro, c'est quoi? Alors, une outro. Une outro. Ouais. Bon, si tu veux, c'est l'opposé d'une intro. L'intro, c'est pour annoncer, si tu veux, la couleur du projet. Okay. C'est une intro. L'outro, c'est pour dire que voilà, quoi, c'est fini. Un mot de fin, si tu veux. Tu peux faire n'importe quoi. Tu peux rapper. Tu peux, si tu veux, tu fais une chanson. Tu peux faire un speech. Tu peux parler. Tu peux faire un skit, si tu veux, un scénario. Tu fais n'importe quoi, quoi. T'es obligé de faire un son. C'est un peu comme les interviews, quoi. Ok, donc jusqu'à maintenant, Hypercut, ça n'a été que des mixtapes. Là maintenant c'est une EP qui annonce un album. Là maintenant c'est une EP qui annonce un album. Alors faut-il dire que Hypercut, c'est pas gratuit, c'est mon premier projet que je mets en vente officiellement sur iTunes. Ça sera en digital. Pour le physique, on ne sait pas encore quoi décider, mais cette fois-ci, ça sera en digital. Ça sera en digital, il faudra payer sur iTunes. Voilà. Ainsi que sur... Et Bandcamp. Et Bandcamp. Voilà. Ok. Alors, Hypercut qui sort que des mixtapes jusqu'à maintenant, et Hypercut maintenant qui sort une EP qui annonce un album, est-ce à dire que Hypercut arrive en maturité dans sa carrière? Hypercut devient plus professionnel. Je préfère. Mature, je pense que ça viendra avec encore plus de talent. Et Hypercut devient plus professionnel. Ouais. Parce que jusqu'à maintenant, c'était en télécharge. Voilà, c'était des mixtapes gratuits, c'était des trucs de rue. Maintenant, on essaie de pousser le truc un peu plus loin, quoi. Parce que iTunes, c'est... Avec iTunes, aujourd'hui, quelqu'un qui est en France, qui découvre 225 sur YouTube, qui l'aime 225, il voit le lien de iTunes, de mon EP, même si c'est un allemand, même si c'est un français, il peut cliquer, il achète, tranquillement, quoi. Et par la même occasion, il faut dire, il soutient, il aide à vivre de son art. Alors, vous avez dit que quand vous sortez un son, ça, ce son traduit votre ressenti en fait. Il fait ressortir au moment où je l'écris. Au moment où vous l'écrivez, il traduit ce que vous ressentez au moment où vous l'écrivez. Alors, qu'est-ce qui a inspiré Hypercut vous fait sortir ces six sons? Ces six sons. Ils ont été écrits de façon, je pourrais dire, avec des décalages temporels vraiment longs. C'est pas quelque chose qui a été écrit de façon raccourcie pour l'album ou c'est les mixtapes qui ont été. En ce moment-là, la période à laquelle j'ai écrit, j'étais assez inspiré, je peux dire. Donc j'écrivais beaucoup et très rapidement. Ça a même surpris les membres du label avec qui je travaille parce que ça allait très vite. Ce projet-là, particulièrement, allait très vite. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais ça allait très vite. Alors, vous, Hypercut, on peut dire que c'est la motivation. Hein. J'ai senti une certaine motivation à cette période-là. Donc voilà quoi. Alors d'où est-il son inspiration Hypercut? De tout, hein. Tout ce qui se passe autour de moi, les films. Les films. Ouais. Parce que je regarde beaucoup les films. Je regarde beaucoup de films. Il faudrait que les fans sachent quel genre de films. Hypercut aime. Films romantiques, non, d'action. Non, j'aime des films qui font beaucoup réfléchir. Quelques titres. Des films à suspense comme Inception. Donc disons l'autre, un film que j'ai beaucoup aimé, qui était le dernier, je crois que c'était l'honnête citoyen. Law Abiding Citizen, en anglais. C'est un très bon film. Les films qui surprennent, il y a beaucoup de suspense. Par motif, avec un scénario profond en fait. Voilà, un truc qui t'emmène à réfléchir. À la fin du film, je dis, oh, tu ne pouvais jamais imaginer que voilà, ça pourrait se passer comme ça. Parce qu'on a remarqué que vos textes sont très profonds, c'est pas seulement du. On sent une profondeur dans le texte. Il y a l'envie d'écrire, de donner du contenu aux gens. Tu comprends? De telle sorte que même si la personne prend le texte en lui-même, sans la musique, s'assoit et lit. Il va sentir quand même qu'il y a un travail qui est fait au niveau de l'écriture. Il faut que ça soit déjà plaisant à l'écoute. C'est vrai, la musique doit être plaisante à l'écoute. Mais il faut que l'écriture aussi. Moi, personnellement, c'est ce que je me dis. En tant qu'un rappeur, il faut que ton texte soit assez bon. Alors, Hypercut écrit-il tous ses textes? Oui, oui.
Jamais le texte d'une autre jamais. D'autres personnes. Jamais. Jamais. Je le ferai jamais d'ailleurs. Ok. Hypercute, ça veut dire déjà écrit les textes pour d'autres artistes. Ouais. Un exemple. Bon, c'est pas des artistes connus, mais il m'est arrivé d'écrire des textes pour des plus jeunes qui m'ont approché, qui veulent faire des sons, ils commencent à débuter, ils veulent que je l'aide, ils montrent comment ça se passe. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, philanthrope? Philanthrope. Prêt à aider? Prêt à aider, oui, oui, tant que je peux, je le fais. Ceux qui me connaissent, le feront. Tant que je peux, je le fais. Mais après, l'expérience de la vie m'a montré que quand tu es trop aussi, après, on ne te prend pas derrière, quoi. Okay. Excusez-moi, l'expression. Alors, il faut être bon, mais ne pas être bon comme ça. Alors, ça, c'était pour les projets à court terme. Une EP qui sort en septembre, qui annonce un album qui sortira, lui. L'album, c'est pas encore décidé, mais on a déjà commencé à travailler sur le. On compte faire sortir un EP encore, mais on ne sait pas. En tout cas, on ne fera pas un an. Comme je dis, un an de celui qui va sortir en septembre, il n'y aura pas un an entre celui-là et le prochain. Okay. Parce que moi, je me dis qu'un artiste qui prend, surtout un EP, hein, si tu fais un album, un an après, tu peux faire sortir un autre album. Tu peux te le permettre. Okay. Mais en ce moment, la musique, c'est comme du fast-food, tu vois ce que je veux dire. Il faut que ça aille vite. Il y a tellement d'artistes, il y a beaucoup de concurrence. Donc tu ne peux pas te permettre de faire un an sans avoir d'actualité. C'est impossible. Donc de celui-là jusqu'à l'autre, peut-être 6-7 mois et plus tard, on va lancer un autre projet. Tu t'endors, tu es mort. Voilà, c'est clair. Ça va vite. Ok, donc vous pourrez découvrir dès la fin de ce mois, donc dès début septembre, l'EP de Hypercute. Qui s'intitulera, je te coupe pas la parole, qui s'intitulera Game Over. Game Over. Merci pour l'information parce que celle-là, je ne l'avais pas. Donc, Game Over sur iTunes comme sur Badcamp. Si je peux dire. Si, si. Badcamp. Si, si. Alors, Hypercute, ça, c'est dans le court terme, mais à long terme, qu'est-ce qu'Hypercute prévoit? À long terme, déjà, moi, déjà, il y a plein de choses qui se feront assez rapidement quand je vais rentrer à Abidjan, définitivement. Parce qu'ici, c'est pas évident, tu vois. Il y a plein de choses prévues pour Abidjan, quoi. Voilà, on va essayer de prendre le terrain au maximum. Envahir. Voilà, on va faire une invasion à la russe. Parce que notre label, c'est comme une arme russe. Comme une arme russe. Voilà. PS Rica, ton label porte bien son nom. Voilà. Ok. Alors, nous arrivons à la fin de notre émission. Mais avant de nous quitter, nous allons poser quelques questions d'ordre personnel à Hypercute, de sorte que ses fans apprennent à le connaître un peu mieux. Alors, Hypercute, la première question, c'est qu'est-ce que vous aimez manger, un bon ivoirien? Un bon ivoirien. Bon, j'aime bien le foutou, avec la sauce crème. Foutou, igname, banane. Banane. Banane bien vue ou pas? Non, c'est bien sûr, c'est foutou, banane. Avec plein d'escargots dans la sauce, avec du plomb. Donc, quand vous faites ça, vous êtes. Voilà, mais je suis tranquille. Calé, comment? J'aime bien aussi le couscous. Le couscous. Ouais, j'aime bien ça aussi, avec la sauce tomate. Alors, Hypercute, pratique-tu le sport? Du sport? Ouais, bon, ça me vient souvent de jouer au football comme ça. Pas de basket? Non. Parce que le basket, ça... Les gens associent beaucoup le basket au hip-hop. Non, moi, j'aime bien le football. J'ai grandi, on a grandi dans un environnement où on a joué au football depuis petit. De temps en temps, on se blague un peu au terrain, on joue. Même ici, souvent, ça me vient souvent d'aller jouer. Depuis l'état? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'Hypercute aime faire pour se détendre? C'était pour me détendre. Pour te stresser, qu'est-ce qui fait pour évacuer la pression? C'est bête, hein, mais j'écoute la musique. Franchement. Pour évacuer, j'écoute. Même si j'écris pas, parce qu'il y a des moments comme ça, j'écris pas. Je décide de pas écrire rien, de pas écouter le beat, rien. Mais j'écoute de la musique. Une musique même autre même que le rap. Le rap. Du slow, voilà, ou bien. Souvent, je regarde beaucoup les films, comme je l'ai dit. Je sors un peu. Mais je suis pas trop sorti, franchement. Difficile à croire pour un rappeur. Ouais, c'est ce que les gens disent. Je sors quand, franchement, il y a l'obligation, quoi. Ou bien quand il y a franchement longtemps que je suis pas sorti, il y a vraiment longtemps. Mais les prestations, ce genre de trucs-là. Sinon, je ne sors pas tout le temps. Il faut rester à la maison, regarder des films. Je sais pas moi, écouter de la musique, faire des recherches aussi. Des recherches sur le son. Le son. Comme je l'ai dit, je prends des cours et tout ça, oui. D'ingénierie de son.
je fais des recherches, c'est un domaine très, très vaste. Alors pour clore cette émission, je vais vous demander, pour Berkut, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces jeunes qui commencent à rapper comme vous, qui commencent ça comme un jeu et qui peut-être demain voudraient en faire un métier ou voudraient juste s'améliorer, qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité? Qu'est-ce qu'il faut aimer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir dans ce métier? Pour être rappeur. Pour être rappeur, pour être un bon rappeur aussi. Pour être un bon rappeur, il faut écouter beaucoup de rap. Franchement, moi c'est ce qui m'a sauté. C'est ce qui m'a permis d'avoir un certain niveau. Écouter beaucoup, puis savoir écouter surtout. Savoir écouter, il faut avoir l'oreille. Tout artiste, que ce soit un musicien, il faut avoir l'oreille, il faut savoir écouter, savoir pourquoi il a fait tel artiste en fait tant. Pourquoi? Connaître le pourquoi. Écouter beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique, beaucoup de rap. Avant même de se mettre à écrire, il faut beaucoup écouter. Alors, merci Berkut d'avoir été notre invité en ce jour. C'était la troisième édition de Question Tag avec M Square Productions. Merci de nous avoir suivis. Laissez plein de jeunes et bonsoir chez vous. On est béni 225 BAPI 225 BAPI 225 BAPI